Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on termine sur le quatrième son que je vais écouter de l'album de Sofiane, La Direction. Le morceau il s'appelle Zidane et c'est produit par Tariq Azouz et qui est monsieur producteur pour DJ Khaled, si vous ne le connaissez pas. Et ça fait plaisir de le voir sur un son français parce que ce mec là, il a produit quasiment pour tous les sons. Avec des ambiances très Maybach, avec tu vois le côté tendance Miami, avec des vibes vraiment très très avec des belles mélodies, des accords de fou, des trucs au piano, des trucs de malade, tu vois, des trucs où ça t'emporte, un truc de ouf. Et déjà il a fait le Sorry Not Sorry de Nas, James, Fauntleroy et Jay-Z. Déjà juste tu dis ça et je crois que c'est le plus gros son qui est sorti dernièrement au niveau des feats US. C'est le plus gros son, il a fait What's Free de Meek Mill. Enfin le mec c'est le français le plus coté aux États-Unis au niveau des prods. Et grâce à son gars Street Runner, il a fait une grosse collaboration depuis qu'il a commencé. Gros shout out à ce mec là, il est très très puissant. Il a tout niqué, c'est le rêve de beaucoup de producteurs français. Donc il a pris le crédit du français qui est exporté aux États-Unis. Donc bravo à lui. Bon allez, on écoute ça. Donc déjà j'ai écouté quelques secondes de Zidane, en fait des chaque extrait, mais j'ai pas écouté tout évidemment. J'ai écouté 3-4 secondes juste pour voir la tendance. Zidane, j'ai écouté 3 premières secondes. C'était directement, je crois même que ça va être le morceau préféré de l'album, je pense. Juste avec les 3 secondes que j'ai entendu, peut-être. On verra si j'ai raison ou pas. Allez, on écoute. Ah, tu connais ces délires-là. Quand t'entends un français sur des sons comme ça, moi je peux que valider. Et tu vois, tu connais la tendance. Étant toujours reparti à la chasse, comme un soviétique, quand je me montre pas, j'y rencontre pas. Le bruit des Celtics, pas un connard qui a les couilles de prendre ma place. Luxembourg, Crédit Suisse, Bitpod S. J'ai retourné tout à vers Martha Santa Cruz, Kaiser, Stargate, Slider, Monza, Spider, 4S, 992. Un ex-alcoolique qui s'est pas gêné, j'suis sur la potence, le nœud mal serré. C'est une belle basse qui arrive. Je suis là, j'aurais galéré. Rater tout ce qu'on fait, je sais ce que ça fait. Et tout réussir, je sais ce que ça coûte. J'écoute plus rien ce soir, le monde se tait. Quand je ferme les yeux à 200 sur la route. Si je la colle, c'est ta fierté qui prononcera mon nom comme un grand désastre. Ni de la bonne, ni de la mauvaise graine de celle qui pousse au printemps des monstres. Le tonnerre grogne, le ciel ouvert en de l'une des soleils, on revue Pégase. En pleine nuit, l'ouvreuse a remis les glaces. La frontière en vient d'un tour sur la Montrodine. Régime fiscal, il est chaud, il est chaud. Plein d'âge, piché, ils sont têtus, tu montes, mais tu joues pas. Si tu sais pas tricher, fais pas Giro, fais pas Rital, Mito, qui parle des points, Vito, Lyric, c'est pas la capitale. Ma gueule, on a les capitaux. C'est bien l'heure du deck sur la Daytona. Résonne à coup de fusil, à coup de contrat. Oh là là, mon gars, j'étais pas prêt. Attends, remets. Les gars, plutôt, c'est bien l'heure du date sur la Daytona. Résonne à coup de fusil, à coup de contrat. Sur scène, c'est my jeune, c'est le moment ta gueule. Y'a qu'il y a quatre dans le rond central. Je reprends l'intérieur dans la chicane. Le Black Bear sous pavillon Zidane. Je suis Charlemagne, je suis Moirez. Je suis Seigneur, je suis Zidane. Oh là là, franchement, on a eu des shows. Bon, finalement, ça, franchement, ça fait plaisir de voir Sofiane dessus. Ça fait très très plaisir de voir Sofiane dessus. Sur un morceau comme ça, c'est presque presque rare de voir ça dans le rap français. Et bon après, ouais, je pense que ça va pas être quand même mon préféré de l'album, mais il fait partie des meilleurs sons de l'album pour moi, même si ça fait 2 minutes. Juste ramener une vibe comme ça sur un album, ça fait trop plaisir en fait. Et je valide totalement et je vais mettre le j'aime et l'enregistrer en playlist parce que il est très très chaud et je valide totalement la vibe et le truc. Après, voilà, on voit que le sample, il revient toujours au même truc.
Il n'y a pas vraiment, en fait, c'était juste un délire. Il a entendu ce truc-là, il a kické, il a balancé même pas 2 minutes, pas de refrain, pas de quelque chose, rien du tout. Je sais même pas s'il y a un refrain, même. Je n'ai pas capté s'il y avait un refrain, je sais juste qu'il a déboîté le truc. Non, lourd, après, voilà, là, c'est du Tarik Azouz solo. D'habitude, sur les prods, US qui fait Tarik Azouz, il est avec Street Runner. Et je crois que Tarik Azouz, il fait plus la mélodie. Et Street Runner, il est derrière en train de faire tous les drums, etc. Et peaufiner le son. Et Tarik Azouz, il est là en mode la mélodie de dingue qui va arriver. Et a trouvé une mélodie de ouf. Après, il a rajouté des basses, il s'est fait son kiff. Et voilà. Après, c'est une prod tout seul, en solo. D'habitude, il est accompagné de Street Runner. C'est une grosse prod quand même. C'est une grosse prod. Énervé. Énervé quand même. Franchement, ça représente bien Zidane, je te jure. Énervé avec genre en mode Anzem et tout, genre truc qui arrive de nulle part. Ça ramène grosse force, ça. Tu écoutes ça en train de faire du sport, c'est sale. C'est du très très sale. Bon, voilà, on se quitte dessus. En tout cas, c'est un très très bon projet. Il y a des bonnes choses à retenir. Il y a des bons producteurs. Il s'est entouré de bonnes personnes. Il y a des vraies choses, il a pas trop abusé sur les feats, etc. Donc non, j'ai rien à dire, il a fait ça proprement. Et voilà, on verra ce qu'il envoie au niveau des ventes, mais voilà, c'est chaud, c'est du très chaud. Donc salutations à sa team, c'est du très chaud les gars. Et voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.